بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous ceux qui lisent le Coran savent très bien qu'il y a 15 prosternations de la lecture du Coran qui sont obligatoires. Lorsqu'on s'arrête à ces prosternations, nous sommes obligés de se prosterner. Le plus étonnant, c'est que dans le Coran, Allah a nommé une sourate par le nom prosternation, As-Sajda. Et dans sourate As-Sajda se trouve aussi une prosternation de la lecture du Coran. Le plus étonnant, c'est le numéro 2 du verset où se trouve cette prosternation. En effet, c'est le numéro 15, exactement comme le nombre total des prosternations de la lecture du Coran dans le Coran. De plus, si on compte les mots de ce verset, nous allons trouver 15 versets. Donc vous voyez bien que les concordances sont multiples concernant le nombre de prosternations de la lecture du Coran. Et d'un autre côté, il faut savoir que Surat al-Sajda a 30 versets au total. Et 30 est égal à 2 fois 15. Donc vous voyez bien que rien ne laisse au hasard dans le Coran. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.